Salut les incendants, aujourd'hui petite vidéo, comment déplacer une place buggée d'un garage à un autre. Je sais à quel point c'est chiant, des places buggées, à peu près tout le monde en a eu, si on a fait des dons bien sûr. Les véhicules qui font des places buggées, c'est souvent les hélicos et les avions, dû à une mauvaise manip. Donc je vais bien vous montrer que j'ai des places buggées, c'est-à-dire que quand je veux commander un véhicule, je peux pas commander de véhicule dessus, alors qu'il y a marqué vide. Donc, ce qu'il va falloir faire, j'ai envie de la déplacer par exemple dans ma salle d'arcade parce que j'ai déjà deux places vides et je les mets tous là-bas. Donc pour cela, il va falloir mettre un véhicule à écraser là où vous voulez la place vide. Par exemple, moi c'est dans la salle d'arcade. Donc une fois que j'ai la place, j'ai le véhicule à écraser dans ma salle d'arcade, vous allez prendre un véhicule de PNJ que vous pouvez rentrer hein, dans votre garage. Si vous ne pouvez pas rentrer avec un certain véhicule de PNJ, il faut en prendre un autre. Hop, je vais rentrer et une fois dedans, il va falloir écraser le véhicule que vous avez mis à écraser quoi. Donc moi, c'est les leggy. Voilà, je vais écraser donc les leggy avec le véhicule de PNJ. Vous allez prendre le véhicule de PNJ et vous allez sortir avec. Une fois dehors, vous allez tout simplement l'exploser. Vous allez commander une leggy là où vous avez votre place buggée que vous voulez transférer. Vu que moi, c'était à l'arène, donc je commande les leggy dessus. Et en fait, ça va transférer ma place buggée à la salle d'arcade. Maintenant, vous allez voir qu'à la salle d'arcade, j'ai bien trois places vides. Alors que quand je vais dans mon atelier d'arène, au sous-sol, le premier sous-sol, vous voyez bien que j'ai plus de place buggée. En fait, les leggy a pris la place de la place buggée. Donc, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous avez des problèmes. Et à liker, comme ça, ça m'encourage. Sur ce, à la prochaine. Kiff l'homme.